Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Aston Matt et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de Paper Mario la porte millénaire, non pas du tout, pour Paper Mario The Rogue Making. La dernière fois on avait battu des Swoopers et il nous fallait dégager de l'eau, ce qu'on va faire tout de suite. Magnifique, on a ouvert la vanne. Attends, donc ça fait baisser le niveau d'eau à gauche, mais ça le fait pas monter à droite. Logique. Ah, pas grave, on va pas se plaindre. L'eau est partie. Et oui, mais du coup, on fait comment? Il y a vraiment un truc pour sauter plus haut à un moment, parce que, bon, voilà quoi. C'est un trophée, ça, c'est quoi? Un trophée, plaque d'égout. Enfin, un mini trésor, pardon. Pas un trophée. 100% égout graphique. Mais c'est magnifique ça. Ah non, pas 100%, il nous reste un truc à reboucher là sur le côté, mais on peut pas y aller. Parce qu'on va pas assez haut. Ah, magnifique. Et ça sauvegarde tout seul. Comme ça, même si là tout de suite ça plante, c'est pas grave. Non, tu vas planter quand même. Charge. S'il te plaît. Mec, please. Tu peux pas me faire ça. En plus, ça me fait stresser, tu sais. Non, c'est bon. On a réussi à attendre l'entrée du château. Ces égouts ne sont pas si mal, en fin de compte. Et bon, c'est un peu trop tôt pour crier victoire. Nous devons assurer. Oui, bon, bah, t'inquiète bien. T'inquiète pas. Casquette de mon frère, elle va bien. Magnifique. Ah, c'est son cas. Bah, il a bien dit qu'il allait garer le kart. Bah, il a garé, là. Est-ce que c'est tas de ferraille? Bah, je pense, ouais. Bah, tas de ferraille, c'est le kart de mon frère. Hein. Regardez, faut en prendre soin. Hein, faut en prendre soin. C'est plutôt lourd, je ne pense pas qu'on arrivera... Merde, oh putain, j'arrête pas de ne pas faire en fait la bonne voix. Ça a l'air d'être lourd. C'est toi qui es lourde. Hop. 100 pièces. Si facilement. Oh là là. Ah. Cinématique. Je la vois la casquette là. Elle est un peu cramée, mais elle est toute petite. Est-ce qu'elle a rétréci au lavage ou c'est comment, c'est quoi le délire? Salut casquette de mon frère, vas-tu bien? Elle est toute petite, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est bon, parce qu'on était trop loin. Il crie Luigi en tout petit intérieur. Est-ce que Luigi fait ça d'habitude? Ou peut-il bien être Mario? À l'aide, tasquette kudasai. Ouah, une casquette parlante. Je suis plié quelque part. J'ai la... Non, attends, pardon. Mamma mia, je suis plié quelque part. J'ai l'impression d'être coincé entre deux dimensions. À l'aide. Ça recommence. Ça voit dit qu'il est coincé entre deux dimensions. Un peu comme moi avant. Oui, bah il est coincé dans un mur, quoi. Mais comment est-ce possible? Je ne sais pas. Je suis un italien qui est coincé. Je ne sais pas pourquoi. Pauvre Luigi, un sort terrible s'est abattu sur lui par la faute de mon frère. Je peux garder sa casquette? J'ai l'impression qu'il me manque, même si je ne le connaissais pas vraiment. Ce sera dur, Mario. Il faut qu'on avance. C'est ce qu'il aurait voulu. Il restera jamais dans nos cœurs. Il est pas mort, bordel de merde. Il est forcément derrière là. Regardez, il y a un truc là. Le papier, il est courbé sur le côté du mur. Il est forcément dedans. Faut juste trouver moyen de faire une marque de origami. Non, ne me laissez pas là. Ne partez pas. Mario! Bah, gros... je dis pas, je suis pas en train de me casser. C'est, il faut juste une marque d'origami pour que mes bras deviennent des bites géantes. Et puis, je vais t'aider. Non, c'est pas si. Ah, bon, je peux te dire. Mais c'est pas... Est-ce que vous dites? Non, je fais comment? Il me faut la marque. C'est pas trouvé ça ou je sais pas, non? Je suis trop parlé dans mes séparés, c'est pas magnifique. N'importe. Bref, je pense que c'est bon, je cherche un truc de graine, je laisse. Non, pas ça. Non, mais je suis. T'inquiète, voilà.
Non, attends. Me dis pas que... Non. Me dis pas qu'il est putain de là-dedans. Sérieux? C'était ça la soluce? Oh là là. Et voilà, c'était ça. Putain, bah c'était pas évident. Yes, oui, sauvé. Yé, mais ça me bizarre. Ah, c'est mieux comme ça. Je suis heureuse que tu sois sain et sauf, Lucci. Non pas que j'en ai douté un seul instant. Oui. Je m'appelle Olivia. Au fait, ton frère m'a sorti d'un joli pétrin. D'ailleurs, entre connaisseurs, comment t'es-tu retrouvé coincé entre deux dimensions? Eh bien, c'était un masque-asse, mais pas un masque-asse ordinaire. Il était plein de bosses et d'ingres. Il m'a prié fourré là derrière, sans ménagement, en disant qu'il finirait le travail plus tard. Quelle horreur! Heureusement que tu n'as pas fini en Henri Guerrier. Mais j'ai une excellente nouvelle, ta casquette a survécu! Oh! Ma casquette, mais et le château? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est la princesse Peach? Zut, je pensais que ça te réjouirait davantage de voir ta casquette. Et sinon, c'est mon frère qui a enlevé le château et la princesse. Nous comptons bien les sauver tous les deux, mais ce n'est pas facile de les atteindre. Oh, c'est vrai, on s'est fait enfermer et je suis parti à la recherche de la clé du château. C'est toujours Mario qui vient me sauver. Alors, il voulait me rendre utile pour une fois. Je suis ravi de voir ma casquette. Il faut vraiment que je retrouve cette clé. Mais qui est con. Ciao. Yeah. Tu sais, on a besoin de la clé. Bah, ouais, mais bon. Bonne chance, Luigi, à plus tard. Bah oui, la casquette. Ah, voilà. Il est quand même récupéré ma casquette. Let's go! Bien, tour hors de danger. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met en route et chercher des indices. Des indices. Mais tu veux des putains d'indices, toi? C'est genre un cadavre de château. Je vois pas beaucoup d'indices, perso. Hein. Du coup, je suis déçu. Moi, je pensais qu'il était derrière ce mur-là, mais non. Ça me gratte le dos. Et là, ça pente et je vais me retaper tout ça. Non. Ah. Bah oui, c'est Luigi qui a repris son carte. Ça peut être que Luigi. Bah oui. C'est pas un tas de ferraille. C'est son carte extrêmement stylish. Allez, sauvegarde. Ta Peach, elle est quand même sacrément riche à faire pousser des fleurs en forme de couronne. Ah. Je crois qu'on a trouvé le château. Mais franchir serpentin ne va pas être de la tarte. Ils ont l'air drôlement solides pour... Ben justement, vu qu'ils sont solides, on peut aussi agripper pour aller au château. En plus, ils partent dans toutes les directions. Est-ce qu'on doit refaire le tour du monde pour tous les défaire? Mais pourquoi tu veux les défaire? Le serpentin rouge me semble aller dans cette direction. Si on le suit, on devrait arriver à destination, non? Eh ben... Donc en gros, les serpentins, c'est l'équivalent des étoiles de couleur, en fait. Non, c'est... Moi, ça m'a l'air d'être ça. Ah, un Toad. Et... Un Goomba aussi. Il y a quelqu'un, à l'aide! Je suis quelque part entre deux dimensions! On y a quelqu'un dans la même... Oui, bon, bah... Pour changer. Par contre, il y a un Goomba au-dessus, quoi. Tombe, enfoiré. Voilà. Redisposer les ennemis. Magnifique.
Pouf, 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 et pouf. Voilà. Parfait. Yeah. Fuite, fuite, dit le Todd en fond. Magnifique. Ah, attends, parce que c'est où qu'il va falloir déplier, là? Ah. Ah, voilà, ici. Ah, d'accord, c'est un truc qui se détache. Ok, je vois. Magnifique. Et donc, merci beaucoup, Insta, je peux retourner à ma boutique. Je ne suis pas de m'éloigner, puis quelques minutes. Ah. Ah, c'est le vendeur d'armes. Parfait. Il va pouvoir nous filer un putain de flingue. Ah. Là, tu fais le tour, mec. T'as de ville 100% et toi, t'es sauvé. Magnifique. Bah gros, tu fais le tour, hein. Fais le tour. Le tour. Décoller. Ah, c'est pour décoller le pont, je le vois venir gros comme une maison. Et paf. Voilà. Saperlotte. Non, mais sérieux. Ah, magnifique. Bah, il est vendeur d'armes, lui. Pourtant, il me file un champignon alors qu'il est vendeur d'armes. Non, moi, je veux une Kalachnikov, mec. Attends, je vais aller à sa boutique, j'ai envie d'une Kalachnikov, moi. File-moi une putain d'arme, ok? File-moi une putain de Kalachnikov avec un AK-47 et ça devrait suffire. Salut, Grota. Toi qui m'a tiré, oui, bon, je le sais. Et je veux des armes, justement. Allez, file-moi des armes. Mais c'est pas des armes, ça. T'es censé être vendeur d'armes. Arnaqueur. Ah, ou peut-être les bottes en fer, là. Ouais, bien. Bottes en fer. Parfait. Ça, c'est une arme. Bien. T'as pas des armures, aussi? Est-ce de se casser? Ah, elles ont une putain de durabilité, sérieux. Ouais, bah je vais acheter des champignons et des fleurs. Histoire d'être sûr. Et du coup, je peux en acheter plusieurs. Bah, je vais en acheter plusieurs alors, comme ça. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème de durabilité. Voilà. De toute façon, je m'en bats les couilles, je suis pété de thune. Puis on gagne 500 balles en un combat, quoi. Donc t'as de quoi t'acheter une paire de bottes et quelques champis, voire fleurs par combat. Donc c'est bon, là. Ça, c'est parfait. Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Alors attendez, parce que est-ce que du coup faut les équiper? Oui. Parfait. On va foutre ça comme ça pour le moment, au cas où. Donc du coup, ça veut dire quand même que les bottes en cuir ne cassent pas, mais les bottes en fer cassent. La logique. Et c'est parti pour aller dans une autre zone. C'est dommage, par contre, il n'y a pas de carte. Parce que j'aimerais bien pouvoir avoir une vue, en fait, de tout. Plutôt que de marcher... Péripicota. Voilà, vu le nombre de confettis que j'ai amassé, je devrais en avoir assez, non? Voilà. Tout ça pour un buisson. Ah, et un Todd même. Magnifique. Comment ça? Il a dit qu'à force d'être dans l'air, à force d'être... Attends, je vais refaire sans précédent de phrase. À force d'être dans l'air, mon corps a des temps verts. Non, c'est pas comme ça que Luigi a vu le jour. C'est comme ça... Ah, c'est pas comme ça que Luigi a vu le jour, si? Est-ce que ça fait de moi le Luigi des Todd? C'est horrible. Tu sais quoi? Je pense que le mieux, c'est simplement d'accepter ma destinée et de laisser pousser ma moustache. Oh, et si Luigi était là, je suis sûr qu'il dirait que tu peux ouvrir le menu en appuyant sur plus. C'est tout de lui, ce genre de bon conseil. Le quatrième mur explose. Ah. Bon, je me doute, voilà, j'appuie sur plus. Je l'ai fait tout à l'heure, bordel. Ah bah, en fait, je suis con, il y a la carte qui est juste là. Alors... Boucher 100, te sauver 66. Ah, il me manque quand même des trucs, hein.
7 pourcents. Je n'ai trouvé aucun. Ah si, 1. Ah oui, en effet, il me manque pas mal de trucs, hein, en vrai. Même chose ici. Ah oui, ici, c'était les mines du trésor, en fait, qui a mis 100%. Pas les trous bouchés, ni rien. Ok, ah ouais, ok, bah putain, il manque des trucs, hein. Le 100% va être long et éprouvant. Moi, quand je voyais 100% haut, je lisais pas en entier. Du coup, je partais du principe qu'en fait, j'avais fini à 100% la zone. pas autre chose. Waouh, regarde-moi cet endroit magnifique! Regarde-moi toutes ces jolies fleurs! Ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter pour faire un petit pique-nique! Oh, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Désolé, Mario, c'est tellement joli que chez Faillant, on oubliait les serpentins et tous nos autres problèmes. Oh, combien urgent! Ça veut dire, je m'en bats les couilles de nos problèmes, je veux juste faire un putain de pique-nique parce que j'ai la dalle! Mais faut pas le dire. Ah, des confettis, ça tombe bien, j'en avais pas. J'en avais beaucoup trop. Non, mais je pense que c'est juste que le sac est limité en fait, du coup, j'en ai pas beaucoup. Il y a un trou là. Salut! Ah oui, quand même, ça fait quand même 3 toads là. C'est moi ou le mascas là, il est en train de le bouffer? Dis-moi qui. Au moins de la salade de pommes de terre. T'es sur le point de me poser quand je suis... Oui, bon, ça va. Toi, t'es pas drôle. Je préfère la salade de pommes de terre. Moi. Ah, lui, il est énervé. Oh non, j'ai raté le billet. Putain, mais c'est des gros dalleux, les toads, en fait. Les toads, c'est des gros dalleux. Oula, ça rame. Formidable de voir... Non mais ta gueule. Là, je vais pas repartir avec tes... Des sous-sous dans leur papage. Des pièces de maintien. Ah ouais. Et attends. Mais c'est trop bien. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut leur donner genre 1000 pièces et ils vont carrément buter les ennemis? Non, pas les bots. Qu'est-ce que je fais, moi? Marteau. Est-ce qu'on les one-shot, eux, du coup? Ou est-ce qu'on va enfin avoir un vrai combat? Bon, bah, on les one-shot, hein. Peut-être que c'est parce que j'ai fait un excellent. Non, même pas, même en super. On gagne moins de pièces, alors qu'on est dans un monde après. Génie. Aplatis pas pour, pour une fois que j'ai un peu de relief. Non, mais reviens! Putain, mais on le voit se casser. Attendez, il y a un truc là. Ah, voilà. C'est illégal ça, monsieur. Voilà. Une fleur, magnifique. Elle est même pas pétrie. Magnifique. Donne-moi tout cet argent, mon ami. Argent. Voilà, et toi tu crèves. Est-ce qu'il y a même gagné plus de puissance par hasard? Alors on va faire le test avec les supporters là. Alors si je leur file 400 balles. C'est de la merde. C'est de la grosse grosse merde. 400 balles pour ça? C'est quoi cette arnaque? Je sais pas pourquoi j'utilise les bottes de fer en vrai, vu que de toute façon je les one shot. Peut-être qu'en vrai c'est une protection anti-émulateur qui fait qu'on gagne énormément de pièces, etc. Histoire de nous faire. De nous. Qu'on croit que le jeu est pas intéressant et que. Et que du coup on arrête de jouer. Hein. À tous les coups, c'est ça. Mais ça m'étonnerait fortement quand même. Bon, je vais pas combattre tous les ennemis non plus, hein. Ça sert à rien, un peu, donc je vais éviter. Genre, je suis déjà assez pété de thunes, je pense pas que j'ai besoin de combattre des ennemis en bonus. Alors, 100 pièces de plus. Mon combat précédent est presque rentabilisé. Oh, un Koopa! Oh, je ne savais pas que tu étais croyant. Je ne suis... Tu es venu... non, non, je suis pas chrétien, désolé, gros. On a un problème. Ah. Et ça les dérange pas tous les Goomba origami partout, là. Alerte, alerte, on a un vrai problème. Oh là là, du cam, quel genre de... Un petit ou un gros? Un énorme, mon dieu.
Énorme problème. Rencontrer l'esprit de la terre. L'esprit. Tu sais que c'est pas l'esprit. Ah mais non, c'est un jeu de mots avec le pli, d'accord. Temple de la terre, priez, surtout faites des dons. Ah putain, c'est comme la vraie vie. Hein. Ah merde. Ah, c'est ça le prix de serpentin. Merde, on peut pas passer. Bah oui. Voilà qui devrait aller. Oui, bah, ils nous entendent très probablement pas. Du coup, je suppose que je peux même pas faire ça. Ah si, c'est trop bien. Bah, c'est ça les habitants de la maison en fait. C'est des Goomba. Des Ori guerriers Goomba. Des Ori Goomba en fait. J'ai inventé un nouveau mot. Les Ori Goomba. Magnifique. Parfait. Reconstruisons le chemin. Une boîte aux lettres, d'accord. Ah! C'est trop bien, on peut voler le courrier des gens. Ah non, c'est des Todd. Ok, je vois. Merci Mario. D'accord, c'est des Todd. On ne s'en va pas, c'est vrai. Examiner. Ça me rassure, m'a aidé. Beaucoup aidé à me retrouver. Mais c'est même pas chez nous. Oh là là. Enfin, peut-être que si, hein, on sait jamais. Pas retourner ça pour avoir un truc. Ah. Ouais, c'est quel sujet. Je comprends, il y a de quoi. Un dire habitué par un original, un Todd qui passe son temps vidéo des machins scientifiques incompréhensibles. Je te dirais bien d'aller regarder toi-même et tu auras pas rentré, elle est bloquée par cette espèce de serpentin rouge. D'accord, ça marche, merci gros. Ça te plaise. T'es un bon. On peut pas passer là. Non, on l'a dans le cul. Comment c'est qu'il faut qu'on fait pour passer alors? Parce que j'ai eu un trésor moi derrière les herbes là. Par contre, on est d'accord qu'avoir l'initiative ça sert plus à rien. Hein. Un, deux, trois, quatre. J'ai mon doigt qui sent bizarre, je sais pas ce que c'est, on sent, je sais pas. Mélange de jus de tomate et d'oxydation. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai pas bouffé de tomate. C'est ça que je trouve bizarre. Même 12, ça les tue, non mais sérieux. Les mascas c'est des Goombas en fait. C'est des Goombas plus mieux. Ah d'accord, en fait pour passer, faut débloquer la maison. Ok. J'aimerais bien aller au temple, mais après quoi, j'aimerais bien découvrir le reste d'abord. Et merde. Bon. Solution. Voilà. Donne-moi tes confettis, toi. C'est bon? Non mais bordel. Nous en avons pas, d'en plus. Voilà. Voilà, bah enfin. Purée. J'ai plus de confettis moi. Mais il est trop mignon. C'était un Todd. Waf waf, je vous l'ai dit. Labo de combat. Ah, c'est lui qui fait le labo de combat avec les marteaux sur le... Ok, magnifique. Oui, on a une promo spéciale. Magnifique. Oui, moi aussi j'aime bien jouer le cadeau. Attendez, parce que je sais pas s'il faut d'abord aller ici ou d'abord au temple de la pierre de mes couilles.
Alors attendez, il y a un truc là-haut. Au pire, vu que là il y a une flèche, je pense que là-haut c'est la suite. Et oh, non Mario, pas en haut. vu qu'il y a une flèche, je pense que c'est la suite. Donc je vais d'abord aller au temple de la pierre de mes couilles et puis après j'irai là-haut. Salut. Sur les arbres que tu croises ou c'est juste celui-là? Ah non, je frappe tout ce que je trouve, moi. Tout ce qui bouge. Et même ce qui bouge pas. Vu que les arbres, ça bouge pas. Ah non, j'aurais dû... Bon, pas grave. Toi, j'ai pas le temps de te battre. J'aurais dû me laisser tomber de l'autre côté. Ça pour quelques pièces, mais bordel. Payez-moi mieux que ça. Elle est bien enfoncée dans le sol, lui, hein. Et là, je commençais vraiment à avoir faim. C'est des dalleux, les toads, je vous dis. Cette fois, on va tomber là. Il est débile. Waouh, mais c'est trop dur. Ah, attendez, j'ai pigé. Non, mais quoi? C'est pas possible. C'est impossible. Problème, je dois résoudre le problème, alors voyons voir ce qui se passe. Mais justement, allons voir ce qui se passe. Mais oui, mais justement, dis-moi ce qui se passe, là. Dis-moi ce que je suis censé faire. C'est trop compliqué. Je sais pas comment on fait, donc tant pis. Ah, attendez, j'ai oublié plein de trous, là. Mais, ah, dégage. J'ai marre de vous combattre, vous. Putain. J'en ai marre de les combattre, ces Goombas. Ils sont tous les mêmes. C'est comme les Toads. Ok. 33 minutes déjà. Putain. Non, pas pour eux. Et c'est les bots. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter du coup. Je pense qu'on va s'arrêter juste après ce combat même. C'est dommage qu'il n'y ait pas de challenge dans les combats en fait. 661. À 5 pièces près. Bon bah voilà, et bien du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi du coup, et bien je vous dis à la prochaine, à plus !